Plus loin, évidemment, dans ces questions, dans ces débats, est-ce que c'est une bonne chose, messieurs, qu'il y ait une telle domination de la Jumbo-Visma, qui remporte les trois grands tours, qui est tellement dominatrice, là, avec trois garçons sur le podium? Est-ce que c'est une bonne chose pour le cyclisme? Vu de ceux qui regardent le cyclisme tous les jours, peut-être, de ceux qui le regardent de l'extérieur un peu moins bien, on s'était posé la question. Hein. On disait, est-ce qu'ils vont faire tripler? Je vous avais dit, je pense que ce ne sera pas la meilleure chose pour le cyclisme d'avoir ce triplé. Triplé, pas sur les grands tours, mais 1, 2, 3 au classement général. Le problème, c'est que, voilà, on se retourne un petit peu quand on regarde l'histoire du vélo, les grandes hégémonies comme ça. On remonte à l'US Postal, on sait à quoi marchait Lance Armstrong, à quoi marchaient ses équipiers. On remonte à il n'y a pas longtemps, la Sky. Je rappelle quand même que le médecin de la Sky était condamné pour dopage. Il est suspendu pendant 4 ans. Il n'exercera plus jusqu'en décembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Usage de patch de testostérone, notamment pour l'un des vainqueurs de ce Tour de France, c'est Bradley Wiggins. J'imagine qu'il en donnait un petit peu à tout le monde. Hein. Donc il y a quand même une tradition. Et il y avait du dopage dans cette Sky. On va suspendre le médecin. On ne le reviendra pas, bien entendu, sur les classements de ces années-là. Donc quand on regarde dans le passé, on peut avoir des doutes. Parce qu'une telle hégémonie, à chaque fois qu'elle s'est créée dans le vélo, bah, on a vu ce qui s'est passé. On parlait de la Mapei, ça c'était sur les courses par équipe. À l'époque de la Mapei, dans ces années-là, dans les grandes années EPO, il y avait des coureurs qui sortaient nulle part et qui plantaient des coureurs qui avaient un pédigré. Là, ce qui m'embête, moi, j'adore Primoz Roglic, mais voilà, les histoires sont belles. Roglic, il vient du saut à ski. Une première carrière, il vient du saut à ski, puis il devient un grand champion. Jonas Vingegaard, quand il était gamin, bah, il n'était pas terrible, il n'était même pas bon du tout. Et là, en 3-4 ans, il s'est transformé. Sepp Kuss, il y a une traçabilité. Sepp Kuss, il y a très très longtemps qu'on le voit dans les pelotons, qu'on le voit être avec les meilleurs. Voilà, il y a tous ces éléments qui peuvent dire que oui, on peut avoir des doutes. Et après, je vais aller de l'autre côté. Il n'y a que des champions. On a les meilleurs. On l'a vu sur le développement de l'équipe. On le voit sur leurs habitudes. On le voit sur leur stage d'entraînement avec cette maison. Hein, carrément, ils vivent dans des petits chalets, je ne sais plus, c'est à Tignes, hein, où ils sont depuis des années comme ça, en altitude. On fait venir les familles, les femmes, les enfants qui passent un petit peu de temps avec leurs époux. Je vois aussi beaucoup de travail. Je vois du budget. On le répète, les Kelderman, les Racing, sont des garçons qui ont fait top 4, top 6 sur des grands tours. Dylan Van Baarle, il roule. Il a gagné Paris-Roubaix. Il n'y a pas une équipe qui a cet effectif. Donc, entre ces deux-là, je vous laisse faire votre avis.